priori, nous, quand il était en train de la date accompagnée, c'était pas une suite. Mais vous comprenez que vous faites partie d'un groupe Quand il y a des manifs et qu'il y a des centaines de personnes, qu'on se trouve toujours un bouc émissaire ou un mouton noir. Et là, c'était Claude. Et c'est étonnant. Moi, je suis étonné qu'on fasse des procédures comme ça. C'est ce qu'on appelle les procédures Bayon, c'est-à-dire on essaye de mettre la pression aux gens. Et Claude, on lui met la pression en lui mettant des procédures. Ça coûte de l'argent, des procédures. Hein. Vous savez, c'est en se disant, ben voilà, comme ça, on va les empêcher de militer et on va faire en sorte qu'ils s'arrêtent de militer. Claude, comme elle a dit à l'audience, elle a dit qu'elle continue de militer, qu'elle milite, etc. Mais qu'on vienne lui reprocher des choses qu'à elle ou quoi que ce soit, c'est intolérable et c'est inacceptable et c'est injuste. Voilà. Donc, merci de soutenir Claude. Je vais vous passer la parole. En fait, ce qui est curieux, c'est que la procureure m'a reproché de ne pas avoir répondu aux policiers du commissariat d'Aubenas. Ça aurait fait gagner du temps, ce que j'avais dit. Je ne veux pas faire perdre votre temps. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis arrivée, j'ai pris des photos, comme j'ai fait d'habitude. Vous pouvez aller sur mon Facebook, c'est la preuve. Mais elle m'a quand même reproché de ne pas avoir ouvert la bouche au commissariat. J'aurais pu m'expliquer. Alors qu'en fait, les policiers d'Aubenas m'ont dans le collimateur et systématiquement, sur 100 personnes, bah, c'est la vieille qu'on va prendre. Pardon pour l'expression un peu triviale. En tout cas, merci infiniment d'être là. Ça tient chaud au cœur. Et puis le prochain, c'est mois de mars. Vas-y, tu peux prendre la parole. Il faut qu'on prépare l'audience avant et ce sera toute autre chose. Oui, donc pour moi, ce sera le 1er mars. Les faits sont quasiment similaires. Entrave lors d'une manifestation, la petite différence, c'est que moi, c'est reproché, c'est au cours d'une manifestation déclarée sur le parcours de la manifestation, pendant l'heure de la manifestation. Autant dire qu'ils vont à l'abattoir. Parce que deux choses d'une, soit il y avait la circulation, je l'ai entravée, et ça veut dire que la police ne faisait pas son métier, et je vais devoir saisir l'IGPN. Oui. Soit la police faisait son métier, j'espère, parce que ça me coûte du pognon, je suis contribuable, et auquel cas il n'y avait pas de circulation. On ne peut pas entraver quelque chose qui n'existe pas, une circulation qui n'existe pas. Donc il y a une contradiction dans le dossier, évidemment, on va encore faire perdre du temps à Madame le juge, je suis vraiment désolé pour elle, mais c'est comme ça que ça va se passer. Mais là on va amener sur la discussion, la plaidoirie sur le plan politique, hein, parce que c'est effectivement une attaque politique. J'étais pas tout seul et je compte bien trouver des camarades militants qui viendront, comme on fait sur les faucheurs volontaires, en comparant volontaires, pour qu'on soit nombreux à être face au tribunal en disant mais c'est pas une action individuelle, c'est politique et vous faites un procès politique. Merci aux Ardéchois à chaque fois de me solliciter suite au mouvement des Gilets jaunes. La lutte continue. C'est-à-dire que le combat contre ces gouvernants qui, effectivement, utilisent la police et la justice, ils utilisent la police comme une milice, hein, c'est clair. Parce que essayer d'empêcher les gens de manifester, c'est quoi? Aujourd'hui, la justice, ben, y a des magistrats qui sont indépendants. Elle a rendu justice aujourd'hui, moi je suis content. Et j'espère que la foi d'Arte aussi, le tribunal rendra justice en disant bah, effectivement, c'est n'importe quoi, c'est des procès politiques. Le parquet n'est pas indépendant.
n'est pas indépendant, et l'Europe le dit, hein, le parquet français, les procureurs ne sont pas indépendants parce qu'ils sont soumis au ministre de la Justice. Les juges du siège doivent être indépendants, certains le sont, pas tous, mais doivent être indépendants. Donc nous, le combat, c'est plus de démocratie, meilleure répartition des richesses, mais aussi justice indépendante, et que les procureurs ne soient plus à la botte du gouvernement. Donc ça, c'est important. Et le combat, et je vais dire, c'est un combat politique et global. Voilà. Merci à vous. Merci.